suis tombé sur un petit truc. Alors là, je vais vous dire, un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Seigle, qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Excusez-moi pour la poussière chez Flammarion. Alors déjà, moi, quand je vois le théâtre, pièce de théâtre, moi, j'arrive pas. Hein. Je sais pas comment vous faites, mais moi, entre le nom du personnage, les trucs en italique, scène numéro chien, moi, au bout de 10, je me tire et je m'ennuie. J'ai hyper mal à lire Molière dans le texte. Voyez-vous, je préfère avoir le DVD avec Molière qui se joue parce que là, je préfère lire Marcel Proust en 5 tomes qu'une pièce de Molière. Voilà. Et là, il avait fait l'effort de me dédicacer en disant que j'étais le plus beau, donc automatiquement je l'ai cru, hein, donc je me suis dit que voilà, je suis capable. Et c'est une pure mais en fait, ça ne se lit pas comme une pièce de théâtre, parce qu'en fait, c'est comme des chapitres. C'est une pièce où elle est toute seule, enfin où l'actrice est absolument toute seule, et ça parle de Dorothy Parker. Alors, Dorothy Parker, Remember, c'est pour moi une des plus grandes auteurs de nouvelles américaines. Elle a écrit un truc qui s'appelle La vie à deux, qui est absolument, absolument chef-d'œuvre. 1920, vous voyez, 1930, 40, enfin voilà. Femme hors du commun, hein, vous voyez, ça devait, c'est une emmerdeuse. Là, elle est dans un hôtel, elle est un peu à la fin de sa vie, hein, et puis elle a décidé que. Elle allait se remarier avec le même mari. Vous voyez, elle avait divorcé et tout. Et elle va vous parler des femmes. Alors déjà, elle est complètement la bouteille de whisky à 5h du matin quand elle se réveille. Vous voyez, donc costaud. C'est drôle, c'est fin. C'est d'une méchanceté, d'une cruauté. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est que tout est vrai. C'est-à-dire qu'elle vous parle de vous, des femmes. Il est brillant, il est drôle, il vous fait sourire avec... c'est une délectation, ce petit bouquin. Franchement, je vous jure, ça vaut... 10 euros, c'est une pure merde. En plus, ça vous donne envie d'aller voir qui était Dorothy Parker. C'est l'histoire d'une... En plus, c'est une époque complètement naze, parce que la nôtre, on dit qu'on est naze, mais là, ils étaient complètement... c'était brillantissime, hein. C'est-à-dire Parker, c'est tout. Toute l'époque. Après, vous allez avoir Hemingway, Fitzgerald, ils buvaient comme des trous, ils vivaient comme des trous. En plus, elle était... c'est elle qui a créé, je crois, le premier syndicat des scénaristes. Donc, en fait, son truc, c'est d'écrire des romans, mais elle ne pouvait plus, puisque en fait, les grandes chaînes, c'était pas des chaînes, mais le métro Goldwyn Mayer et tout ça, se sont dit, celle-là, plus jamais, puisqu'elle a essayé de nous faire augmenter les salaires et tout, donc ils l'ont coincée, elle ne pouvait plus écrire de scénario, parce qu'en fait, elle était scénariste, hein, donc de génie, et elle est pour ça qu'elle est coincée et qu'elle ne peut plus faire que des articles brillantissimes dans les journaux et des nouvelles qu'elle va éditer comme ça. C'est absolument... Je vous en reparlerai parce que je ne vous lâcherai pas parce que c'est absolument fabuleux. Vous lisez ça, c'est... Et allez-y parce que, alors en plus, je vais y aller, il fait... sa pièce se joue. Et alors, je vous donne un conseil, vous lisez le petit livre là et vous allez voir la pièce. J'ai une hâte, c'est de la voir sur le... Parce que je me demande comment on peut être brillant, aussi brillant, faire passer les mots comme il y a là-dedans sur une scène et qui joue ça et si on est capable de... C'est une merveille. Renseignez-vous, je vous mettrai sur mon Facebook ou sur les sites où se joue cette pièce de théâtre. Ça s'appelle « Excusez-moi pour la poussière » de Jean-Luc Seigle, c'est chez Flammarion. Et allez-y, ça c'est les heures brillants de chez brillant. Je veux dire... voilà, là vous avez deux merveilles, vous allez voir. Je ne sais pas ce que c'est que la littérature, mais en tout cas, je sais ce que sont des bons livres, et ça, ce sont deux bons livres.